fuck 300, bitch, you know I told them pole. The 6'9", bitch, you know we talking poles. Total pole, total pole, total pole. You talk down, we gon' let that shit go. Et Slime CGX, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'en fait j'ai fait un unboxing qui a malheureusement fail on va dire, mais je peux quand même vous en faire une vidéo parce qu'il n'est pas encore commercialisé, donc ça veut dire que vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez seulement le précommander, donc ce qui fait que vous l'aurez au jour de la sortie. Et en fait c'est pour ça qu'il est en QWERTY, voilà il est en QWERTY et moi j'ai un petit problème avec ça, c'est que hop, il y a marqué AZERTY sur mon chat, on le voit pas, mais il y a marqué AZERTY sur mon chat. Alors que là, il y a marqué en QWERTY, mais en fait, ce qui est stylé avec ce clavier, c'est que vous pouvez faire défiler les modes comme ça, avec cette roulette sur le côté. Hop, voilà. Hop, je vais vous montrer un petit peu, il y a plein de modes. Je vais pas trop vous spoil non plus, on va remettre multicolore. Et on peut enlever la LED qui est en bas, et c'est vraiment stylé, j'ai jamais vu ça sur un clavier. La petite LED en bas, je crois que ça existe, mais là, c'est stylé pour le coup. Le clavier fait pas trop de bruit non plus, genre... Par rapport à mon ancien, c'est pas, franchement c'est tranquille. Et donc on va essayer de gagner un rush avec ce clavier. Puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que je reprends les vidéos sur Minecraft. Et voilà, ça pourrait me faire super plaisir. En tout cas voilà, n'hésitez pas à venir sur mes streams à 20h tous les jours. Et on se retrouve en jeu. Et donc on se retrouve en jeu avec le clavier. On va tester tout simplement ça sur Minecraft. On va se mettre en slash nick et on va aller en 1v1. Ouais sur 1v1. Et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça devrait pas être compliqué de gagner une game. Et puis voilà, moi je vous montre un clavier pas encore commercialisé. Donc voilà, ils m'ont envoyé un échantillon et je pense que c'est dû à ça qu'ils ne peuvent pas le mettre en réel avec AZERTY et tout. L'exclusivité d'en avoir un. Et je sais pas si je pourrais en avoir un deuxième au final. Je suis en train d'y réfléchir là. Parce que j'ai demandé un deuxième pour refaire l'unboxing par contre du coup. Vas-y, au pire, on va s'arranger. C'est pas énormément très très grave. C'est Drevo en plus, la marque c'est Drevo. Donc j'avais un clavier, enfin j'ai joué pendant longtemps avec un de leurs claviers qui m'avait envoyé. Parce qu'il était genre vraiment grave cool. Ok, go. Proposez-moi des vidéos que vous voulez sur MC, parce que moi je sais plus quoi faire, moi j'ai bien joué sur MC mais je sais pas quoi faire du coup. Mon serveur va ouvrir dans pas longtemps, donc vraiment soyez prêts, il va bientôt ouvrir. Ça fait longtemps, on a eu des bugs et tout, on a eu des... pas des endettements mais voilà, en fait on a eu des... pas des moments difficiles mais voilà, assez longs. Donc voilà, c'était chiant pour ma part d'attendre nos fakes, hein. Je m'en cache pas, comme vous je pense aussi, ceux qui étaient chauds. Donc je vais faire beaucoup de live sur mon serveur et je pense que ça va être vraiment grave cool. Et proposez-moi des trucs à faire IRL, genre un peu unboxing et tout, que je pourrais exploser, que je pourrais faire. Des petits défis, je sais pas, voilà, GG, franchement, gros level. En plus il est vraiment stylé, donc j'ai un peu le seum qu'il soit pas en AZERTY, pardon. Donc voilà. J'ai beaucoup joué avec en live, hein, no fake. Non, il est pas mort. What the fuck? What? Oh, il vient de me faire péter des câbles, lui. La tête de ma mère que je meurs pas. Je meurs pas, je meurs plus. Allez, allez, le clavier. Fils de... putain! Mais gros, il traîne trop. Non mais là je suis mort, genre. Ah oui. Ah bah oui. Non, la vie de ma mère, viens. Et je peux pas écrire sur ce putain de clavier, la vie de ma mère. Non. J'ai le seum, je veux refaire. La vie de ma mère. La vie de ma mère, attends. Ok. Non mais là je suis mort, oh ça casse les couilles, je suis mort bêtement. Ok. Là je pense faut que je le kill encore une fois, faut que je tienne 1v1 encore une fois et c'est parfait. Ça nous fait que j'ai plus de bed. Ça va être compliqué de malade genre. Oh mon dieu! Oh, je sais pas pourquoi je voulais pas perdre, mais j'ai déjà lui. C'est quoi cette game de tryharder de fake? Genre, je suis tryhard comme un fils de fille. Ok, on va faire un petit Skywars, je pense. Donc voilà. Non, un Nikabrain. Vous savez quoi? On va faire un Nikabrain pour rester dans le thème du rush. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez du design du clavier, parce que vous l'avez pas entre les mains, vous pouvez pas savoir comment il est. Même le bruit, enfin, genre, ça va, je pense. Et dites-moi la couleur, ce que vous en pensez, enfin, le design plutôt. Si ça c'est stylé, parce que j'ai jamais vu ça. Je mettrai le site dans la description quand même. Ils m'ont pas payé pour faire cette vidéo en no fake, hein. Genre, en fait, c'est un unboxing qui a fail, on va dire. Et du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Oh non, mais non.
Ok, MLG, non. Lui, il a l'air pas mal chiant et chaud. Ok. Ok. C'est quoi ce sacrifice de pute, là? Je suis enragé. Je tombe que contre des mecs forts, genre. Enfin, forts, chiant plutôt. Ah, retourne une dose, la vie de ma mère. La vie de ma mère, il en profite, ce fils de pute. Je lâche pas, je le lâche pas. Oh putain, il va me faire vraiment péter un cap, ce fils de pute. Ok. 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 Ouais, du coup, n'hésitez pas à venir sur mes lives à 20h. Je ferai un live par jour à 20h. Donc voilà, ça me ferait super plaisir, les amis. Là, de bien être chiant. Ah là, il va péter un câble. Alors là, je n'ai rien à péter. Oh, je suis un haineux. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais un bon haineux, quoi. Ok, vas-y. Hop. Il m'a bien fait péter un câble, donc voilà, on a testé le clavier, et puis bon, j'arrive bien à jouer, quoi, nous fake. Hein. Puis au moins, il fait pas trop de bruit, donc c'est ça l'avantage. On va attendre qu'il mette son petit message de rage. Non, ok, il s'est barré. Donc voilà, le clavier, je l'ai testé, il est pas mal. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je sais pas, je trouverai pas trop de défauts, à part qu'il soit en QWERTY au lieu de AZERTY machin et tout, mais il est disponible que... Enfin, je pense que c'est aussi parce qu'il est en bêta, quoi, on va dire. Donc voilà. Le bruit ça va et bah franchement clean hein, clean. Voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça pourrait me faire super plaisir parce que je vais reprendre les vidéos MC à fond. Et puis c'est gratuit, je fais souvent des vidéos, souvent des lives, tous les jours des lives à 20h. Merci de regarder et on se retrouve ce soir pour un live.